Le 103.9 et 101.3 CMFM présentaient son lancement de programmation ainsi que ses nouvelles couleurs. Et question d'en apprendre davantage, voici les animateurs qui partageront vos journées avec vous en semaine et également le week-end. C'est tout un nouveau rendez-vous auquel on vous convie à CIM, le nouveau 103.9 et 101.3, le rythme des Laurentides chaque matin. Et ça s'appelle l'Éveil du Nord, n'est-ce pas, Éric? Oui, Nicolas. Alors, tous les matins, le Mimosa, où on souligne les bons coups de nos auditeurs, la chanson de ma gang, et aussi, on va chercher la femme d'exception. Il y aura un grand gala. Il ne faut pas manquer cet automne. De bien belles choses à venir et des bonnes nouvelles. Soyez là, dès 5h30. Salut, ici Suzy Prénovo, alors pas de CIM depuis au-delà de 15 ans maintenant, et j'ai le bonheur et le privilège d'animer CIM au travail la portion du matin de 8h30. Et par la suite, à 11h30, c'est Musique à la bouche. Oui, et pendant que Suzy dîne, justement, ben, j'ai le plaisir d'animer cette émission de 11h30 à 13h avec vos succès des années 80-90, puis on va flirter dans les années 2000 également. Il y a la dédicace du jour, une chanson que je dédie à une personne dont le courriel m'a touchée, et votre demande spéciale également. Puis après ça, c'est mon travail entre 13 et 16 heures, juste avant l'Express, votre demande spéciale, puis la meilleure musique, la plus grande variété musicale dans les Laurentides. Salut tout le monde, ici Alain Jean-Marie, donc avec Diane Lafrance, on vous attend du lundi au jeudi dans le retour à la maison qui est le petit train du Nord, donc un retour joyeux, on retourne à la maison dans la bonne humeur avec du showbiz, avec votre appel du jour, une nouvelle intéressante qui s'est passée pour vous, les demandes spéciales. On va regarder aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce qu'on le sait, on marque des choses que l'on vit là-dessus, mais ça se passe en ondes au 103.9 et au 101.3 du lundi au jeudi au petit train du Nord de 16h à 19h. Allô, ici Danny Berger pour les Week-ends à Danny, tous les samedis et dimanches sur les ondes de CIM 103.9 101.3. Demande spéciale au menu, on a aussi évidemment vos salutations, beaucoup de cadeaux, beaucoup de plaisir sur les ondes du 103.9 et 101.3. C'est le dimanche que ça se passe pour le décompte CIM de 9h à midi avec Mélissa Lucier. Et Alain Jean-Marie. 30 meilleures chansons de la semaine. Et Mélissa, t'es une fille qui fouine partout au niveau du showbiz. Oui, je suis la chroniqueuse culturelle, alors je me promène un peu partout puis je vous amène toutes les informations nécessaires à propos de vos artistes préférés. J'ai hâte d'entendre ça dans les potins et toutes les nouvelles dans le décompte CIM avec la meilleure musique. C'est un rendez-vous. Et je suis en compagnie de Marc Berger, mesdames, messieurs, Luc Lefebvre, pour CIM en tournée du lundi au dimanche. Partout, les événements, les festivals, tout ce qui bouge dans les Laurentides, on va vous parler de ça. Les fins de semaine, Marco est sur la route également. Oui, ça va être à mon tour de vous faire visiter les belles Laurentides, belles régions qu'on a à cœur. Et Dieu sait qu'il y en a des activités les fins de semaine, mon chanceux. Mais il y en a aussi la semaine parce qu'on aura des rendez-vous avec des artistes des 4 à 7 à surveiller, notamment du côté des Saint-Hubert là, dans les Laurentides. Et vous nous suivez évidemment sur le rythme des Laurentides. CIM en tournée propulsée par Volkswagen Blainville.